Aux premières lueurs du jour, les herbogénistes se réveillent sur le campus. Le matin, à 5h, priez, levez-vous. Hier, on n'a pas vu dormir, Cyrus. Hier, on est fatigué. Allez, on vous voit, sortez. On vous voit. Bon, on nous crie d'Oshi, descendez, Odjene, Mankounou. On vous appelle, on siffle partout, bon, ok. On adore ça. Sur le terrain de sport, les joueurs font une séance d'étirement. Tu connais le temps de te maquiller avant de venir au sport. Non, c'est comme ça que je suis. On retrouve l'encadreur de dîner avec toute son équipe. Bon, le voyage de dîner jusqu'ici, il faut dire que ça a été plus ou moins pénible. Par la grâce de Dieu, le cas était rapide. Nous sommes quittés au dîner à 6h18. Nous sommes arrivés aux alentours de 16h à Abidjan. Monsieur Diallo Ibrahima. Oui, c'est moi. Bonne arrivée. Merci. Kwame Angèle Allah. Le lycée moderne 1 de dîner se trouve tout juste à l'entrée. À l'entrée sud de la ville. Et la meilleure note ici, c'est l'élève Dembélé Mamadou, Nous étions au nombre de 4 les établissements sélectionnés pour participer à la présélection au niveau de la ville de Dénée. Et notre surprise a été grande de nous voir vainqueur de la présélection au niveau de la ville d'Odiené pour les Génies en Herbe 2016. Génie en Herbe, c'est Doudé. À table, c'est l'heure du déjeuner. Ange Rebecca de Mankono profite du repas pour galvaniser ses coéquipiers. On joue contre Odjene, c'est facile. Je dis, Evaris, on joue contre Odjene, pardonnez. Faites sortir tous vos muscles intellectuels. Vous avez compris, non? C'est bientôt l'heure fatidique. Nous retrouvons les joueurs d'Odjene dans leur dortoir avant le match qui les attend. Puisque c'est notre première participation, il y avait d'autres équipes qui nous sous-estimaient, quoi. Donc le fait d'avoir perdu, c'est un peu étayer les thèses, quoi. Donc, c'est ça qui m'a fait un peu mal. Le fait d'avoir perdu hier, elle avait donné raison. Donc, peu importe le résultat d'aujourd'hui, quoi, j'ai retenu une leçon, c'est un jeu. Il fallait que je pleure hier pour comprendre cela. Donc, on peut dire pleurer a été une bonne solution aussi. Je vous conseille de pleurer en cas d'échec. Là. Pleurer de toutes vos forces. Après ça, ça va passer. C'est le match du maintien ou du départ pour les deux camps. Nous avons perdu nos deux premiers matchs. Donc, on va jouer le maintien ou le départ. Mais très détendu. Et je pense bien que, et à la fin de ce match-là, on aura à se rencontrer pour que je vous donne mes impressions une nouvelle fois. Voilà. Les deux équipes adverses de la journée, Mankono et Odjene, font leur entrée sur le plateau. Le match va pouvoir commencer. Lorsqu'on a joué le premier match qui n'a pas véritablement marché face à Korogo, on s'est dit, on a vu quelques défauts qu'il faudrait améliorer concernant le mot décalé qu'on devait mettre en place encore et se renforcer. Bon, ce qui m'a marqué sur le plateau, ce sont les lumières. Comme bon, c'est notre premier, nous sommes à notre première participation et bon donc et puis on a été un peu enthousiaste de passer à la télé. Donc voilà, ça nous a beaucoup marqué. Aussi avec l'écran tactile, l'animatrice même, puisqu'on la voyait souvent à la télé et la voir en vrai, je crois que ça nous a beaucoup marqué et on ne va jamais oublier cette expérience. Ce qui peut nous assurer la victoire, c'est le simple fait que, un, d'abord, c'est notre première participation. Deux, l'éloignement d'Odjene par rapport à la ville même d'Abidjan, surtout le centre névralgique même de la Côte d'Ivoire, ça fait que nous sommes inconnus. Or, l'étranger, quand il vient, il fait peur.
On se retrouve demain sur le campus Génie en Herbe.